Ah ouais. Nordique édition. Ouais. Donc Autostar I790LC, navire amiral de la gamme, ici en prestige 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça, il y a 5 étoiles. Donc c'est un gros bébé de 7,95 m de long, presque 3 m de haut, 2,31 m de large. Donc là on est en presque 8 m. Hein. Alors quand on entre dans ce beau bébé, on a un beau salon. Alors le salon ici, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que il y a vraiment une bonne tenue au niveau des reins. Là, ils ont fait un petit, c'est un petit peu incliné comme ça, et il y a un bon maintien. Là, c'est ferme et avec un bon maintien au niveau du dos. Alors ce salon, il y a une petite table portefeuille en forme de forme un peu ovale. Ovaloïde. Alors au-dessus du salon, il y a des rangements. Des rangements partitionnés. Il y a une belle finition un peu laquée, on dirait. Bon, je sais pas si c'est de la laque, hein, je pense pas, mais en tout cas, ça renvoie ça. Il y a une, au-dessus de la cuisine, il y a une hotte, apparemment avec extraction. Alors, au-dessus de la cabine de pilotage, il y a un lit de pavillon. Alors ici, on est sur du Fiat, a priori. On va vérifier. Le beau salon face-face est prévu pour 6 convives. Il est transformable en lit double. À l'entrée, on trouve une poignée de préhension pour monter dans le véhicule et aussi un emplacement pour la TV. Dans la cuisine, on a deux feux et un évier de belle taille. Il y a une hotte aspirante encastrée et une belle crédence traitée anti-tâche. Les placards, les rangements, le plan de travail sont arrondis et ergonomiques. En face de la cuisine, il y a un réfrigérateur de 175 litres à sélection automatique d'énergie. On trouve un lanterneau au plafond. Dans la chambre, on a un beau lit central XXL entouré par deux penderies avec tringle télescopique. Au-dessus du lit, il y a deux placards de pavillon et un éclairage indirect. Le lit est relevable et abrite des tiroirs de rangement. Sous le lit, il y a une soute, évidemment. Il y a une possibilité d'avoir un deuxième poste télé en option dans la chambre. Et pour finir la visite de ce beau véhicule, la salle d'eau avec WC, vasque transparente et de nombreux rangements. La salle d'eau est vaste et élégante. En face, on trouve une douche de grande taille. Les parois sont plastifiées, il y a des niches et un éclairage bleu. Ce beau bébé a un intégral de 7,95 m, est confortable et très luxueux. Le prix est assurément à la hauteur des prestations, c'est-à-dire très élevé.